Dans le coin rouge, in the red corner, Canadian champion, du club de Jonquière, Daniel Bouchard. L'arbitre, the referee, Monsieur Philippe Saint-Amour. Eh ben voilà, si vous n'êtes pas bien, ce sont des 60 kilos. Vous avez Daniel Bouchard du club de Jonquière d'un côté contre Julie Clavel. Dans le cas de Mademoiselle Bouchard, est-ce que c'est pas elle qui nous arrive d'Europe ou quelque chose? Oui, c'est ça. Elle est allée en tournée en Suède et en Finlande, en tournée victorieuse, a remporté deux victoires, a participé à un camp d'entraînement là-bas. Et enfin, la boxe féminine se développe de plus en plus. Tous les gymnases maintenant ont de jeunes filles à l'entraînement. Et je pense qu'un peu que Christy Martin, chez les professionnels, fait en sorte qu'il y a un engouement qu'on n'avait pas vu dans les dernières années qui est maintenant là. Je sais que dans le cas de Mademoiselle Martin, elle éprouve certaines difficultés présentement avec Don King, qui est naturellement le promoteur, mais j'ai hâte de la voir à l'œuvre. C'est une jeune fille qui boxe admirablement bien. Et vous allez voir que cette jeune fille, Danielle Bouchard, elle est le frère de Pierre Bouchard. Ça, elle a un frère, Pierre Bouchard, qui a été champion canadien juvénile, champion canadien junior, a participé au championnat du monde junior. C'est un boxeur qui nous a représenté, a fait plus de 100 combats amateurs, plus de 110 combats amateurs, et a toujours donné de bonnes performances un peu partout. Et d'ailleurs, est venu près de se qualifier pour les Olympiques d'Atlanta, mais il y avait un dénommé Troy Amos Ross sur son chemin. Oui, alors Mademoiselle Danielle Bouchard, elle qui est du club Jonquière, elle a 10 victoires, 5 défaites. Grosse commande donc pour Julie Clavel, qui vient, elle, du club champion, et c'est Sylvain Gagnon qui on voit dans son coin. Elle a 4 victoires, 2 défaites. Voyons exactement, quel est le style, d'après toi, qui... parce que ce sont deux styles complètement différents. Mademoiselle Clavel, c'est une attaquante, c'est une boxeuse agressive, alors que Danielle Bouchard, c'est une technique. C'est quelqu'un qui va chercher des angles, qui n'est pas nécessairement puissant, mais très astucieuse dans ses mouvements. Jonquière, on sait la technique. D'abord, Jonquière, ça n'a jamais fait défaut. Stéphane Ouellet, d'ailleurs, est le plus bel exemple. Ce soir, lui aura à défendre sa position, à consolider sa position contre Maurice Adam. Ce sera un combat très intéressant à suivre là, en fin de soirée, puisque Stéphane aura beaucoup à perdre dans ce combat contre quelqu'un qui aimerait bien profiter de mêmes avantages que Stéphane a grâce à ce classement au niveau mondial. Alors, la plus petite des deux que je peux vous dire, est en blanc et rouge, c'est Danielle Bouchard. Les deux seules défaites en carrière de Julie Clavel sont contre Danielle Bouchard. Ben oui. Il a toujours dominé techniquement Clavel. Et on peut voir que Clavel est prudente parce qu'elle sait que si elle fait des fautes offensives, que tout de suite la contre-attaque va venir. Et voilà, la contre-attaque. Et dans le cas de Danielle Bouchard, ça n'est pas facile. Elle est arrivée lundi. Elle est arrivée lundi de cette tournée, décalage horaire, et a quand même accepté de participer à ce programme parce qu'elle sait que c'est important pour le développement de la boxe féminine au Québec. Et on peut lever notre chapeau devant elle pour toujours faire en sorte d'être volontaire dans ce genre de situation. 15 secondes avant la fin de ce premier engagement, ce sont des rondes de 2 minutes. Il y a 3 rondes. Et encore une fois, c'est assez égal dans ce premier engagement. Bouchard a été plus actif, ouais. Mais Clavel a quand même réussi à bloquer la majorité des coups. Ah voilà, c'est la fin du round. L'arbitre, c'est M. Philippe Saint-Amour. En voici un autre qui se dévoue énormément pour la cause de la boxe amateur depuis je ne sais pas combien d'années. Ah, Philippe Saint-Amour, c'est un bénévole incroyable. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le voit sur les rings. Il a fait la guerre 45. C'est un vétéran. Major. Il a été blessé à la guerre aussi. C'est toute une personnalité. C'est d'ailleurs le secrétaire trésorier de la Fédération québécoise de boxe olympique depuis plusieurs années. Et là, on mène par deux points. C'est ça que je voulais, parce que j'ai cherché la main. Bénévole. On va rentrer sur toi. OK? Là, tu vas garder tes mains hautes, tu vas faire des points. Ne prends pas de chance pour rien. OK? Toujours tes mains hautes, tu ne peux pas voyer. Mais là, envoie ta main arrière, parce que avec ta main arrière, comme on a fait tantôt, la même chose. OK? On est peut-être
être moins volubile dans le coin de Daniel Bouchard qu'on l'est dans le coin de Julie Clavel, Clavel qui est entraîné par Sylvain Gagnon. Round numéro 2 et le premier engagement, selon toi? J'ai aucune idée, Jean-Paul. C'était très serré. Il semble que d'après les conseils qu'on a donnés à Julie Clavel, qu'elle avait peut-être une légère avance. Sylvain Gagnon demandait à Julie Clavel de bien fermer sa défensive et de s'assurer de ne pas se faire prendre en contre-attaque. Du côté de Bouchard, elle va probablement accentuer le tempo et travailler au corps et à la tête pour faire baisser ses gardes, les gardes de Julie Clavel. D'ailleurs, Bouchard a réussi quelques bons coups depuis le début du round. Et ça demande beaucoup de discipline, Jean-Paul, du côté de Clavel, qui, elle, a un caractère bagarreur. On lui a demandé de boxer avec Daniel Bouchard, puisque les deux premiers combats, son agressivité n'avait pas été payant pour elle. Donc, on lui a demandé de jouer la partie de la plus fine, d'être plus brillante, d'être plus astucieuse et de déjouer son adversaire. Et quand on connaît le caractère de Clavel, qui, elle, est une bagarreuse, ça doit être difficile pour elle de rester concentrée. Alors, dans le troisième homme sur le ring, c'est Philippe Saint-Amour qui vient justement de dire au point de Julie Clavel de pas lancer de cri ou pas de cri ou quoi que ce soit. Mais c'est extrêmement dur, par exemple, de ne pas encourager son boxeur ou sa boxeur. C'est difficile, mais de l'autre côté, ça joue sur les deux côtés. Et la boxe olympique, c'est un modèle de discipline. C'est une école de vie, la boxe olympique. Et je pense que on a une image dont on est très fier. Les athlètes font attention autant que les entraîneurs, les officiels, pour continuer dans cette veine. Et si vous croyez que c'est sévère ici, n'oubliez pas que sur la scène mondiale, c'est aussi, sinon plus sévère encore. Alors c'est pour ça qu'on ne peut déroger à la règle. Et c'est la fin du deuxième engagement. Bon round de la part de Daniel Bouchard. Il est revenu très fort au deuxième round. Il a réussi à passer de belles combinaisons. On sera sûrement content dans son coin. Est-ce qu'on peut entendre peut-être dans le coin? On va tenter de s'approcher maintenant de Sylvain Gagnon. Non, on est dans l'autre coin. Dans le coin de Julie Clavel, Jean-Paul, rampe ton menton. Évite de te promener la tête. Et droite donne une courbe de belle cible à Bouchard. Et du côté de Bouchard, on lui a demandé de continuer. Tête qui a réussi à marquer quelques points au deuxième. Oh, bonne droite qui a été lancée ici par moi. La bouche ouverte. Si Clavel semble plus fort physiquement que Bouchard à cause de son expérience. C'est de bon. Attention, il y a une bonne riposte ici de la part de Clavel. Beau mouvement ici de Bouchard. On a pu voir lancer une combinaison petit côté pour éviter la contre-attaque. Belle démonstration technique de Daniel Bouchard. De savoir parce que c'est Bouchard qui se lance en attaque, mais peut-être légèrement. Maintenant, pour le troisième round, Bouchard semble avoir pris contre. Termin, elle s'est toujours crochet, la main avant le crochet de gauche, en sorte que ses mains sont beaucoup plus basses qu'avant le combat. Et le menton. Et le menton dont Sylvain Gagnon avait parlé est encore trop haut, Jean-Paul. Alors voilà, on a échappé, je pense que c'est. Je pensais que c'était protégé. Bon. Avant la fin. Et
compris, on va vous expliquer un petit peu plus au cours. Combien il y a de jeunes filles au Québec qui s'entraînent présentement au volet au niveau amateur. Et voilà. Julien Bouchard, quelle belle la qualité de boxe des deux côtés. On peut voir à quel point ces athlètes. Nous allons aller à la décision des juges. Mais je regarde dans le. Satisfait. De sa protégée. Et dans l'autre, Daniel Bouchard, qui n'a pas semblé être tout au moins ralenti par ce qu'on appelle le jet lag. Ah non, pas du tout. C'était un combat qui a plu à la foule. Et on peut voir aussi que ces deux athlètes se sont contrairement à 1900. Un petit peu difficile, où on a eu des un petit peu, écoute, tomboy qu'on a vécu au départ, mais là maintenant, de plus en plus, la boxe olympique étant tellement sécuritaire. Belle jeune. Vous voyez, à Indigo, c'est gratuit présentement ce volet amateur, mais il y a le volet professionnel qui s'amène. Le numéro de téléphone. 15. Et si vous pouvez venir au centre Molson, ben c'est le centre Molson qui va aller chez vous. Je pense à la région Saguenay-Lac-Saint-Jean qui éventuellement va voir Stéphane Ouellette dans ce combat. N'oubliez pas, pas besoin de gardienne, c'est assez facile. Voilà. Et le numéro de Indigo et on l'amène chez vous, notre volet professionnel. On attend toujours cette décision. On va à la Mayotte maintenant. La décision. Il se joue. 8. 8. Dans le coin rouge de. Thank you.